Alors, ça y est, j'ai fini la bourse. C'était vraiment très rapide. J'ai mis à peine une heure pour tout faire. Enfin, pour regarder. Et en plus, on est passé plusieurs fois. Donc, voilà, donc j'ai fait quelques petits achats. Du coup, il est 11h à peu près et je vais visiter Strasbourg. Donc, c'était pas mal. C'était, par contre, pour ceux qui se demandaient un petit peu comment c'est assez petit, hein. Franchement, on fait le tour très très vite. Ça n'a rien à voir avec les grandes bourses aux minéraux. Donc, prévoyez autre chose dans la journée ou alors venez si vous habitez pas loin, mais sinon voilà, c'est très petit. Mais après, c'était quand même très intéressant. Puis j'ai quand même acheté quelques pièces, donc voilà, ça prouve que c'est quand même intéressant. À tout à l'heure. Voici la gare, très beau. Alors là, on est dans une magnifique rue. C'est vraiment magnifique. Donc là, il y a des maisons typiques alsaciennes avec des jolies décorations dedans. C'est trop beau. Et là, la cathédrale de Strasbourg. Et c'est très, très détaillé, la façade. C'est vraiment très particulier. Et je vous montrerai ça de plus près de toute façon. Voilà, donc je suis très contente d'être venue là. Ça valait vraiment le coup. Les spécialités en bouffe. Évidemment, très important. Il y a les heures de lever de soleil, de coucher de soleil, temps apparent aussi. Et puis, je sais pas, il y a plein de fonctions différentes. Je sais que ça tourne normalement quand il y a des animations un peu. Et c'est quoi du coup? C'est une horloge astronomique, c'est ouais, ça? Oui. C'est la plus vieille maison de Strasbourg, c'est ça? Je crois, oui. Et elle est en bois, hein. On voit qu'elle est en bois. Et c'est très... Il y a plein de trucs taillés, en fait, c'est rigolo. Et là, la cathédrale. Qui est vraiment impressionnante dans tous ses détails. Thank you.
sérieux. Coucou tout le monde, donc voilà, je suis rentrée de la Bourse et de Strasbourg, donc c'était vraiment très très beau, j'espère que les petites images du vlog vous auront plu, et je voulais vous présenter vite fait mes quelques achats. Alors je vais commencer par celle-ci, donc il s'agit d'une actinote avec du talc, donc actinote ou alors actinolite, moi je connaissais sous l'appellation de actinolite. C'est une pierre que je voulais posséder, dont j'avais déjà entendu parler. Et honnêtement, je la trouvais très belle, elle était en promotion du coup. Bon, voilà, je l'ai prise. Et je trouvais que ça valait vraiment le coup au niveau du prix. Ensuite, celle-là, c'est une fluorine violette. Alors, elle est vraiment très belle. Franchement, je l'ai eue pour un prix, un très bon prix pour la qualité. Je pense que j'ai fait une très bonne affaire. Donc je suis très contente, même si elle est un peu abîmée, mais voilà, ça explique le prix en même temps. Franchement, je suis vraiment très contente, parce que je n'avais pas de belles fluorines cristallisées comme ça. Et maintenant, j'en ai une, donc c'est bon. Donc voilà, je suis contente. Et ensuite, j'ai eu un coup de cœur. Alors, je n'étais pas du tout censée acheter ça, c'est pas quelque chose que je recherchais particulièrement, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour deux pièces. Mais comme vous allez pouvoir le voir très très vite, je suis un peu déçue. Et vous allez pouvoir le voir très vite, hein, je pense, pour ceux qui connaissent un peu, pourquoi je suis un peu déçue. Alors, tout d'abord, celle-ci, c'est vraiment une grosse curiosité, cette pierre. C'est plutôt des plaques, en fait. Alors, en fait, il s'agit de cuivre natif avec du jaspe teinté par un oxyde de fer. Alors, c'est pas sûr, en fait. C'est une supposition. On n'est pas sûr de ce que c'est. Donc voilà, et vous pouvez voir, les reflets sont magnifiques. Franchement, j'ai vu ça, je me suis dit, il me la faut. Mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi je suis un peu déçue. Et celle-là, c'est une spécularite, c'est-à-dire que c'est une variété d'hématite qui forme en fait ce côté qui est très brillant en fait. C'est ça, c'est une formation particulière d'hématite qui lui donne un peu ce côté très brillant. Et puis j'aime bien parce qu'on voit comme s'il y avait des petits yeux là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup plu. Voilà. Donc ça fait penser un peu au goldstone, les pierres artificielles, mais quand on regarde de plus près, on voit que ça n'a rien à voir. Donc il faut être vigilant, hein, ça n'a rien à voir avec la goldstone. Donc ces deux plaques, franchement, j'étais fan. Mais je suis un peu déçue, et vous savez probablement pourquoi, ceux qui savent, c'est que en fait sur le stand, c'était très sombre en fait, c'était noir en fait, avec quelques spots, mais il y avait des jeux de lumière, et du coup je n'ai pas vu. Mais en fait, les plaques sont résinées. Et oui, il y a de la résine dessus. Et c'est pas fait de manière très très méticuleuse même, puisque sur le dessous, on voit un peu des coulures. Alors celle-là, non, celle-là ça va, c'est sur l'autre qu'il y a des coulures.
Mais du coup, voilà, c'est pas vraiment naturel. D'ailleurs, on voit le reflet. Et ça, j'avais pas vu le reflet comme ça, parce que si je l'avais vu, j'aurais tout de suite remarqué que c'était résiné. Enfin, enduit de résine, quoi. Et on le voit très bien, en fait, quand on s'approche. Et celle-là, on voit sur les côtés qu'il y a des coulures, en fait. Voilà. Et le dessous, on voit bien, en fait. On voit bien la résine qui a été appliquée. Moi qui fais des orgonites, bah voilà, je sais que c'est de la résine. Hein. Et puis qui fait aussi d'autres créations avec de la résine, bah voilà, je sais direct que c'est résiné. Après, est-ce que c'est vraiment gênant? En fait, je me suis dit que non. Parce que c'est quand même hyper beau. Moi, ça ne me gêne pas. Ça les met bien en valeur, je trouve, et ça les protège, en fait. Donc, à la limite, ça ne me gêne pas, même si c'est vrai que je préfère le naturel. Mais voilà, là je fais une petite exception, ça ne dénature pas non plus la pierre, c'est pas comme si elle était chauffée ou voilà pour changer sa couleur. Là c'est juste une couche de protection. Alors voilà, bon bah je préférerais que ça soit sans, mais bon au final c'est comme les turquoises qui sont résinées pour qu'elles soient plus solides. Et ça ne me gêne pas pour les turquoises, donc ça ne me gêne pas pour ça non plus. Et puis bah, c'est plus joli, ça leur donne un aspect plus lisse et je pense que ça fait ressortir bien les reflets aussi. Donc voilà, donc ça c'est deux gros coups de cœur. Et puis aussi, bah en fait ces deux pierres là, ce n'est pas moi qui les ai achetées, c'est un cadeau. Donc merci à mon papou en vidéo pour le cadeau, c'est vraiment très gentil de sa part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un like, et puis à aller voir ma boutique. Et moi je vous dis à bientôt sur la chaîne pour de prochaines vidéos. Salut à tous !